La mère sans enfant de Cédric Murphy The reason why you're fragile now is the fear of breaking up, the fear of losing what is left, fear the child that won't grow up. Aleve Lens, Excel Ça va aller, tu verras. C'est des choses qui arrivent. Et puis, on pourra toujours tenter d'en faire un autre dans quelques mois. Dans son salon, Alexa Tanay gardait les doigts sur le clavier sans réussir à les activer. Sa nouvelle thèse refusait d'avancer et ses pensées déviaient malgré tous ses efforts. Comment travailler sur le mythe des Lorona, ces femmes piégées dans leurs tourments, ces mères indignes au destin tragique, sans songer à sa propre situation? Elle soupira, luttant contre l'appel de ses mails, de l'aspirateur, de la chambre encore en travaux et de toutes ces tâches détestables qui devenaient cent fois plus intéressantes à cet instant. Tout plutôt que ce calvaire. Comme en réponse à ces pensées, le téléphone vibra sur la table. En découvrant le nom qui s'affichait dessus, Alexia regretta son vœu muet. Salut, maman. Simulacre de sourire et dans ses longs cheveux en bataille, alors que sa mère déballait des anecdotes qui n'intéressaient qu'elle. Son frère l'avait invité à dîner la veille avec des grenouillettes en entrée. Quelle idée, vraiment! Son voisin Paul venait de déclarer un cancer. Quel drame, vraiment! Et puis son ami Margot s'était fait voler son sac en pleine rue. Quel monde, vraiment! Alexia bredouilla des fantômes de réponse sans parvenir à feindre un quelconque intérêt pour toutes ces personnes qu'elle ne connaissait que de loin. Sa mère n'était pas méchante, mais certaines périodes s'avéraient moins propices à la politesse que d'autres et, depuis quelques mois, Alexia avait tant les nerfs à vif qu'elle pouvait prétendre à une carrière comme mannequin anatomique. Un bruit lointain délogea son regard de l'écran. En se dirigeant vers son bureau en devenir, elle imaginait déjà un pot de peinture oublié en équilibre qui aurait fait le saut de l'ange. La pièce se révéla en ordre, du moins autant qu'une chambre en pleine transformation pouvait l'être. Les débris de tapisserie à motifs enfantins dépassaient encore des sacs poubelles parqués dans un coin. Les pots de couleur rouge et blanc jalonnaient le parquet, et surtout, Alexia n'avait pas encore démonté le berceau qui traînait au milieu. Déjà que son mari la blâmait en silence pour cette mise en chantier prématurée. Ça fait que deux mois. C'est trop tôt pour ce genre de revirement. Et si on en faisait un autre bientôt? Tu sais, c'est pas en niant ce qui s'est passé que... Le regard noir de la femme l'avait dissuadé de poursuivre sur sa lancée. À ce souvenir, elle songea que les travaux duraient depuis bien trop longtemps. Elle évacuerait ce coup fin, dernier vestige de son enfer, dès aujourd'hui. Un dernier regard circulaire lui confirma que rien ne clochait, sans doute une fenêtre mal refermée qui avait claqué. Et puis, poursuivait sa mère, t'as entendu parler de ce quartier où tous les gens sont devenus fous en une nuit Quelle tragédie, vraiment. De retour à la réalité, l'anthropologue acquiesça et rejoignit le salon. Elle ne prêtait aucune attention aux flash infos qu'elle subissait chaque soir. Mais son entourage et les blagues sur les réseaux comblaient ses lacunes en un temps record. Tout va bien T'as l'air ailleurs. Non, ça va. Je suis un peu fatigué, c'est tout. Pas étonnant avec ce qui s'est passé. Quel drame, vraiment. Il faudra du temps, mais... La porte d'entrée s'ouvrit et un grand brun émergea tout sourire. Il accrocha sa veste au porte-manteau et embrassa Alexia. Marc vient de rentrer, annonça cette dernière au téléphone. Je vais devoir te laisser. Son interlocutrice tourna en boucle quelques secondes. Bien sûr, oui, je rappellerai. Je t'aime. Bisous. À bientôt. On se rappelle. Avant de la libérer. T'es arrivé pile au bon moment, lançait-elle à son homme. J'avais pas la tête à lui parler, ni à personne d'autre d'ailleurs. Ça s'est mal passé aujourd'hui? Elle ne releva pas la formulation étrange de cette question. Pas plus que d'habitude. Je bloque sur ma thèse, mais c'est rien de nouveau. Tu vas te débloquer tôt ou tard, tu verras. Il manque juste le déclic. C'est pas avec ma mère qui appelle tous les jours que j'aurai le déclic. Elles sont tous plus ou moins comme ça. Tu verras. T'y échapperas pas non plus. Il ne sembla pas remarquer sa maladresse, gardant un regard franc et une expression joviale. Elle le savait de nature optimiste et il agissait depuis le début comme si leurs problèmes n'étaient que temporaires. Mais jamais son déni ne s'était aventuré si loin. Je prends le relais, assura-t-il après un silence. Essaye de te reposer. Le relais Tu comptes écrire ma thèse à ma place il rit en secouant la tête et disparut dans le couloir. Perplexe, Alexia se rassit devant son ordinateur, relut ses dernières lignes en quête d'inspiration. Peine perdue. Après quelques minutes, elle se demanda ce que Marc pouvait bien faire dans le bureau. Il détestait cette pièce au moins autant que l'idée de la transformer si vite en salle de travail. Elle avançait dans le couloir quand un rire éclata. Suivi de gazouillis. Marc jouait-il avec un... Non, elle chassa cette idée absurde. Pourtant, elle ouvrait la porte avec précaution, craignant ce qu'elle découvrirait de l'autre côté. Son mari se tenait au milieu de la chambre, berçant dans ses bras un bon bambin hilar. Elle resta coite. Il était déjà réveillé, garantit Marc. Je t'assure que je n'ai pas ruiné sa sieste. Sa sieste répéta Alexia incapable de comprendre ce qu'elle voyait. Tu lui as donné le biberon il y a longtemps De quoi tu parles Le biberon pour Arthur C'est qui Arthur Marc prit la question au second degré et approcha pour montrer le bébé qu'il portait. Très drôle. Arthur, tu sais notre fils Salut Alexia, c'est Lucille. J'ai entendu la nouvelle et... Je sais qu'on ne s'est pas trop revu depuis la fin de la fac et que j'arrive un peu tard, mais... J'imagine ce que tu traverses, ça doit être un vrai cauchemar. Quand je pense à ma petite, si ça m'était arrivé, je souhaite ça à personne. Bref, si t'as besoin de parler, je suis là, tu sais. C'est pas drôle, Marc. De quoi tu parles Elle lui connaissait un certain humour noir, mais là, réaliser une telle mise en scène, c'était malsain, de la torture mentale. D'où vient ce gamin Il y a bien une vidéo qui montre ça, mais c'est plutôt sanglant, plaisante à son mari. Bordel de merde, Marc, je rigole pas Silence pesant. Il afficha un mouvement de recul, comme pour protéger l'enfant. Je crois que tu devrais vraiment te reposer, conseilla-t-il. Tu te surmènes trop en ce moment. Elle ouvrit la bouche sans formuler le moindre mot. Que répondre à ça Elle retourna au salon, le malaise au cœur et des vertiges plein la tête. S'assit à son poste habituel pour éviter une mauvaise chute. Souffla et finit par ouvrir sa messagerie privée. Évacuer la stupeur et la rage, parler de ses malheurs à une amie, de ses craintes, de la folie flagrante de Marc. S'il ne blayait pas, à qui avait-il volé ce bébé Elle arrêta son geste quand son fil d'actualité s'afficha. Des dizaines de messages, datés de quelques mois, la félicitaient. Elle déroula plusieurs fois ces petits mots hallucinants, incapable de les croire vrais. Ils étaient donc tous dans le coup Même sa mère annonçait Hâte de revoir mon petit-fils Elle ferma cet onglet malsain et s'éloigna de l'appareil les mains tremblantes. Cent pas plus tard, elle s'empara du téléphone. Lucie avait laissé un message ce matin. Le répondeur ne pouvait pas mentir, lui. Il lui prouverait qu'elle allait bien, qu'on lui faisait une blague de mauvais goût. Salut Alexia! répéta la machine. C'est Lucie. J'ai entendu la nouvelle et. Je sais qu'on ne s'est pas trop revu depuis la fin de la fac et que j'arrive un peu tard, mais toutes mes félicitations pour le petit. Déjà deux mois, c'est ça? Faudrait qu'on se fasse une soirée à l'occasion. Je pourrais te donner quelques noms de baby vraiment génial et. Alexia raccrocha. Elle se souvenait très bien avoir écouté ce message ce midi et... Comment avait-on pu le changer Le tonnerre grondait dans ses tempes alors qu'elle rejetait les conclusions qui s'imposaient à elle. Non, elle se savait saine d'esprit. Comment aurait-elle pu inventer une fausse couche Et la chambre de cet Arthur était bien un chantier de bureau, non Marc ne l'aurait pas laissé la transformer si... À cette idée, son envie de vomir empira. Elle se précipita dans le couloir, faillit tomber plusieurs fois tant ses jambes vacillaient. La chambre. Concentrée sur ce bébé surgi de nulle part, elle n'avait pas regardé le reste de la pièce, mais il lui semblait. Elle entra à nouveau dans l'antre de la folie. Marc se penchait sur le berceau en plein gagatisme. Les murs affichaient des figures d'animaux colorés. Autour, plus aucune trace de chantier, plus aucune tapisserie arrachée, plus aucun pot de peinture. Durant toute la soirée, Alexia observa Marc et le bébé en silence. L'homme agissait avec tant de naturel. Impossible de nier l'évidence, il ne jouait pas. Mais alors, si tout était vrai, comment l'accepter L'idée de sombrer dans la démence la révoltait. D'un autre côté, c'était davantage plausible que la théorie d'un univers parallèle, et plus rassurant. Si elle était folle, elle gardait assez de repères pour continuer une vie normale, en surface du moins. Personne ne saurait ce qu'elle traversait tant qu'elle se comportait comme on s'y attendait. Et puis peut-être que tout rentrerait dans l'ordre tôt ou tard, d'une façon aussi brutale que se plongeant en pleine maternité. Dans un tel cas, il lui suffirait de prendre son mal en patience. Le plus difficile serait de vivre avec ce bébé. Elle n'osait même pas l'approcher. Sa seule vue lui crevait l'estomac et le cœur. Une simple question de temps. Elle s'y ferait tôt ou tard, mais pas ce soir. La nuit s'éternisa entre malaise, insomnie et pensée en ébullition. Alexia se répétait que tout irait bien qu'elle hallucinait et que cette nouvelle existence lui plairait sûrement. Comment savoir quelle vie elle avait rêvée au juste Se réveillerait-elle à l'aube dans une réalité sans enfant Ou à l'inverse avec cette fois des jumeaux Un coup sec l'arracha à ses divagations. Puis des pleurs se répandirent dans la nuit. À côté dans le lit, piégé au cœur des songes, Marc ne broncha pas. Alexia soupira, tétanisée à l'idée de vérifier l'état du bébé par elle-même. Mais comment l'homme réagirait-elle si elle le réveillait pour ça Il s'était occupé seul de la progéniture depuis son retour du travail. Une bonne mère ne devait-elle pas assumer une partie de ses responsabilités Tôt ou tard, elle attirera l'attention si elle ne se pliait pas à son rôle. Autant se lancer dans le bain maintenant. Quand elle entra dans la chambre, le berceau se balançait tant le bébé devait gigoter. Elle se pencha sur la structure grinçante et découvrit un corps endormi et paisible. Pourtant les pleurs et le mouvement de bascule, un frisson lui glaça le dos. D'instinct, elle se tourna vers la fenêtre. Grande ouverte, les vitres tremblaient encore. Voilà qui expliquait le coup brutal. Étrange qu'un courant d'air ait pu forcer le passage, mais après tout, Alexia n'était plus à sa prêt. Elle avança pour refermer les battants et se figea d'effroi. Là, dans l'ombre du jardin, se dressait une vision d'horreur. Une femme la dévisageait, perchée sur un cheval décharné et rongé de toiles d'araignée. Ses jambes se confondaient dans la soie blanchâtre de l'animal, ses bras frêles se cramponnaient à la crinière, son torse nu affichait une cage thoracique couverte de moisissures. Des cheveux noirs et hirsutes dévoraient une partie de son visage, mais deux trous noirs brillaient sous le front, et un pâle sourire fissurait le simulacre de peau sur les joues. Les deux formes pâles restaient immobiles, comme une illusion prête à s'estomper au moindre geste. Mais Alexia n'en douta pas une seconde, ces choses existaient. Et elle surveillait le bébé. Ça m'est arrivé aussi, quel enfer, vraiment. Mais avec ton père, on ne s'est pas laissé faire, on a fini par t'avoir, ma fille unique préférée. Tu verras, tu vas t'en sortir aussi, et tu nous feras bientôt des dizaines de superbes petits-enfants. Alexia ne garda aucun souvenir du reste de la nuit. Un instant, elle détaillait deux monstres dans son jardin. Le suivant, elle s'éveillait dans son lit et le chant des oiseaux accompagnait le lever du jour. Marc étant déjà partie au travail, elle ne pouvait compter que sur elle-même et se força à rejoindre la chambre du bébé. Elle y trouva un bambin endormi et une fenêtre close. Aucune trace de fantôme. Un cauchemar décida-t-elle, rien de plus. Elle supportait à peine la présence de ce gamin, elle refusait d'accepter en plus l'existence de créatures d'un autre monde. Et elle comptait prouver ses conclusions. Ses travaux professionnels lui conféraient une certaine connaissance des mythes et légendes. Aussi, remonta-t-elle vite la piste d'une créature semblable à sa vision. Entre l'incarnation du cauchemar avec son cheval diabolique et une vieille histoire de sorcière. Mars Rickfier se spécialisait dans le trafic d'enfants. Dans certaines versions du mythe, elle plaçait ses fœtus de bois dans le ventre des mères humaines et attendait la naissance de ces changelins qui envahissaient peu à peu le monde. Dans d'autres, elle capturait des nouveau-nés pour les dévorer avec sa sœur Vayam Firska il existait des dizaines de variantes supplémentaires mais alexia ne jugea pas utile de les examiner elle avait conservé ce mythe quelque part dans ses souvenirs et face à une situation sans précédent son inconscient l'avait ramené à la surface ça n'expliquait pas ce bébé impossible sous son toit mais ça permettait bel et bien de reléguer les monstres au statut de simples rêves aucune nouvelle vision ne la troubla mais après quatre jours complets elle restait incapable d'accepter sa nouvelle réalité. La semaine s'acheva dans le même chaos interne. Elle gardait ses distances avec le gamin, son mari, ses amis, le monde entier. Tout juste parvenait-elle à la nourrir le braillard pour éviter d'alerter son entourage ou les services sociaux. Le samedi, sa mère lui rendit visite à l'improviste. D'abord, elle redouta cette intrusion. N'allait-elle pas se trahir Une autre mère, la sienne en plus, ne comprendrait-elle pas que quelque chose allait de travers, qu'elle était inadaptée à ce monde La tension s'estompa quand l'invité s'empara du bébé et s'enchanta de sa présence tout l'après-midi. Elle n'avait Dieu pour personne d'autre. Regarde comme il est beau Ça vaut le coup de subir quelques nuits blanches pour une créature pareille, non Vraiment, quel minois. Devant le silence de sa fille, perdue dans le vague, elle poursuivit. Tu sais, une femme n'est vraiment complète qu'avec son enfant, ça change tout dans une vie. Je dirais même qu'on ne vit pas vraiment avant. N'est-ce pas, Marc? Alexia secoua la tête pour seul signe de désapprobation. Elle ne se sentait pas la force de rembarrer sa génitrice. C'est sûr, enchaîna son mari sur le fauteuil d'en face. Il faudrait être fou pour penser le contraire, surprise par ses propos, jamais il n'avait abordé le sujet, mais Alexia le croyait sur la même longueur d'onde qu'elle la jeune femme releva soudain les yeux vers lui et resta figée de stupeur incapable de propulser le moindre son là derrière le fauteuil, un sourire carnassier aux lèvres, la vieille se penchait sur l'épaule de Marc et chuchotait dans son oreille. Sous le mur de cheveux noirs, son regard livide se braquait sur Alexia et ses mains rachitiques enlaçaient l'homme inconscient du danger. Je suis de votre avis, assura la mère d'Alexia. Quand on pense que certaines avortent pour un oui ou pour un non, c'est scandaleux. Tout le monde a le droit à la vie. Vraiment, quelle idée de penser autrement! C'est sûr, approuva Marc. Et puis, une grande famille, y a que ça de vrai. D'ailleurs, on partira bientôt sur un deuxième, hein, Alexia. Elle ne releva même pas cette déclaration ahurissante. Fascinée et horrifiée par la dame en toile d'araignée qui remuait ses lèvres en même temps que son époux, elle lui dictait son discours. Et lui répétait en instantané comme le reflet d'un miroir. J'en veux au moins trois. Et c'est en se disant qu'on a le temps qu'on se laisse vite dépasser. Alors mieux vaut se dépêcher, non? Le monde tanga dans la tête d'Alexia. Ça va s'inquiéta sa mère quand elle se leva. Tu es toute palote. Oui, oui. C'est juste que elle se statufia à nouveau. Le bébé gigotant dans les mains de la quinquagénaire, ça n'avait plus rien d'un bébé. La forme noirâtre affichait des orbites vides, un crâne démesuré, une peau entre l'écorce d'arbre et la pourriture de la tombe, des doigts griffus, frêles, constitués de soie grise. Alexia réprima la bile qui montait dans sa gorge et se précipita hors du salon. Alexia se cloîtra dans la chambre durant une éternité. Marc tenta de lui parler, de comprendre, de la rassurer. En vain. Cette chose... Au fond, elle avait toujours su que ce n'était pas son bébé, que ce n'était même pas un bébé. Mais comment prétendre à une vie normale après ce qu'elle avait vu et comment lutter contre cette sorcière de soie qui agençait sa vie comme un marionnettiste dans l'ombre. Depuis quand Marc était-il tombé sous son emprise Qui d'autre lui servait de jouet Après un siècle au bord du gouffre, Alexia se ressaisit. Comptait-elle finir sa vie dans la terreur, en proie à un monstre issu tout droit de ses cauchemars Sûrement pas. Elle devait se libérer de ses chaînes. Elle se renseigna sur le net, recueillit toutes les informations possibles sur Marsikfyr, les recoupa. Si elle avait inventé cette aberration à partir des légendes du web, elle trouverait dans ces mêmes légendes comment la tuer, contrant une superstition incarnée par une autre. Et si la créature existait bel et bien, les mythes qu'elle examinait lui révéleraient ses points faibles. Sorcellerie ou folie, qu'importait en fin de compte. Cette nuit-là, elle persuada Marc de sortir. Il se surmenait trop, et méritait bien de s'amuser avec ses amis pour une fois. Si l'idée ne l'enchantait pas de prime abord, il se laissa convaincre à mesure que la journée avançait. Alexia soupira quand elle referma la porte sur un crépuscule naissant. Seule avec la bête. Les bêtes si on considérait le cheval, la sorcière et son poupon comme trois entités distinctes. Un couteau en main, elle s'assit sur une chaise à côté du berceau, tournée vers la fenêtre laissée ouverte. Reprenant les informations emmagasinées plus tôt, elle récita. Mars Rikpfir, fantôme de soie, je sais qui tu es et je t'attends. Viens ici et viens vite pour éviter tout malheur à ton enfant. Elle jeta ensuite deux cailloux devant elle, plusieurs versions de la légende s'accordant sur le sujet. La pierre ouvrait un passage vers la sorcière araignée. Alexia retint son souffle aux aguets. Les secondes rampèrent, puis les minutes. Une heure plus tard, aucune trace de la créature. Une de plus, et la femme s'endormait à son poste. Elle s'éveilla d'un coup alors que les battants de la fenêtre cognaient sur le mur. Le courant d'air dévastateur s'estompa et Alexia découvrit devant elle une forme blanche, rachitique et courbée. La femme se retint de sursauter, affermit sa prise sur le couteau et recula sa chaise avec lenteur. L'hôte se redressa après une longue minute de silence. Tu viens vérifier que ta chose est bien logée railla Alexia. Elle se leva et l'autre pencha la tête comme un animal intrigué. Je te vois, oui, confirma la spécialiste des légendes. Et je vois ton... ta progéniture aussi, sous sa vraie apparence. Elle pointa le berceau de son arme. Ça va aller, tu verras. Cette voix, c'est des choses... Ces mots. Et puis on pourra toujours tenter d'en faire un autre dans quelques mois. Alexia posa une main sur le berceau pour s'empêcher de tomber. La chose enchaîna, passant des propos et du timbre de marque à ceux de sa propre mère. Ça m'est arrivé aussi. Quel enfer vraiment. Mais avec ton père. La sorcière lui assénait tous ses discours de son ancienne vie. Chaque mot prononcé par un proche au sujet de sa fausse couche se trouvait retranscrit en direct. Comme si Mars Fir leur avait tout dicté depuis le début. Non, plutôt comme si elle avait tout enregistré, tout ingurgité. « J'imagine ce que tu traverses !» déplora la voix de son amie Lucie. Ça doit être un vrai cauchemar. Alexia comprit qu'elle s'était trompée. Le monstre ne contrôlait pas les paroles de ses proches, elle les imitait comme un élève devant son maître. Le monde entier l'avait écrasée sous le poids du deuil, des attentes et des impératifs. Selon l'univers entier, une fausse couche, vraiment, c'était la pire chose qui pouvait arriver à une femme. Je ne souhaite ça à personne. Tu sais, une femme n'est vraiment complète qu'avec son enfant. Mais elle surmonterait cette épreuve, n'est-ce pas? Il faudrait bien. Comment imaginer qu'elle se sente complète et vivante sinon Tout le monde a le droit à la vie. Une grande famille y a que ça de vrai. D'ailleurs, on partira bientôt sur un deuxième, hein, Alexia? Une femme ne servait qu'à engendrer, non? Comment prétendre à une vie normale en dehors du rôle de mère? Elle ne pouvait survivre sans enfant. Elle ne pouvait exister sans descendance. La sorcière n'avait rien causé par elle-même. Elle avait seulement répondu à cet appel de la masse, à cette pression atroce. Tous ses proches larmoyants et insistants. Combien de fois Maxime Friar avait-elle agi ainsi? Combien d'enfants fictifs dans le monde? Combien de mères dupées et forcées? La ferme! cria soudain Alexia en levant le couteau. Et le fantôme de soie s'exécuta. Le silence qu'elle savoura un instant se retourna vite contre elle. Plus rien ne pouvait détourner ses pensées à présent. Pourquoi elle seule voyait derrière le voile des illusions? Elle rabaissa son arme, la releva. D'autres femmes comme elle subissaient-elles le même sort Des larmes lui percèrent les yeux. Ou bien se pourrait-il que... Non, elle refusait même d'y songer. Comment admettre ce que le monde entier condamnait Elle regarda la sorcière, puis le bébé, puis le couteau. Pourtant... Et s'il s'agissait de sa porte de sortie Et encore la sorcière, encore le bébé, encore le couteau Que perdrait-elle à essayer C'était toujours moins risqué que de poignarder les yeux d'un fantôme comme elle l'avait prévu ou, pire encore, un bébé comme elle l'avait envisagé. Le silence de la sorcière s'alourdissait, lui brûlait les tympans, lui grillait l'esprit, l'accusait sans détour. En désespoir de cause, la mère sans enfant hurla. C'est pas mon bébé. J'en veux pas, j'en ai jamais voulu. Le sourire du fantôme s'effondra, ses orbites immenses s'animèrent d'une lueur malsaine. J'en ai jamais voulu, répéta Alexia. Il n'était pas prévu et j'en ai jamais voulu, de lui ou d'un autre. Une larme coula sur sa joue alors qu'elle poursuivait son aveu. J'étais contente d'apprendre la fausse couche. C'était un poids immense qu'on me retirait des épaules. Je pouvais enfin reprendre la vie que j'avais prévue. Mais je ne pouvais pas le dire, ni à Marc, ni à ma mère, ni à personne, même pas à moi-même. Le regard du fantôme s'apaisa à mesure qu'il enregistrait ces nouvelles informations. Mais c'est fini maintenant. Je te lis à toi, quoi que tu sois. Je veux pas d'enfant. Alors reprends celui-là et dégage de ma vie. Elle jeta le couteau au loin et se rassit en pleurs. Elle ne lança pas un regard à Mark Simphir quand cette dernière s'embarra d'Arthur et lui tourna le dos. Un instant plus tard, elle chevauchait sa monture avec le faux bébé. Un souffle de plus, et le jardin se vidait de ses fantômes. La fenêtre se referma et Alexia s'endormit dans ses sanglots. Le week-end suivant, la mère d'Alexia lui rendit à nouveau visite. Comme à chaque fois, la conversation dévia sur l'enfant qu'elle avait perdu quatre mois plus tôt. C'est atroce, vraiment. Tu vas bientôt pouvoir te remettre en selle, faut pas se laisser abattre. Avec ton père, on s'est pas laissé faire, et comme je le dis toujours, c'est comme ça qu'on a eu notre fille unique préférée. Tu t'en sortiras tout aussi facilement, tu verras. J'aurai bientôt plein de petits enfants à garder les mercredis et... LA FERME! Sa mère se figea soudain, manquant renverser sa tasse de café. Qu Quoi? Je veux pas de gamin, annonça Alexia d'un ton paisible. Et on va se séparer avec Marc de toute façon. Alors arrête de me rabâcher ces histoires de maternité. Tu veux bien? Pour la première fois de sa vie, elle vit sa mère silencieuse. Une demande si brutale sur un air si tranquille, l'invitée ouvrit la bouche plusieurs fois, incapable de formuler un seul mot. Enfin, elle se força à sourire et embraya. Tu vas garder à maison, j'imagine Oui, on s'est déjà mis d'accord, ça arrange tout le monde. Il n'a jamais vraiment voulu vivre dans ce quartier et je préfère rester en terrain connu pour finir ma thèse. Ah d'ailleurs je l'ai enfin débloqué. Il suffisait de changer l'angle d'attaque. Je parle toujours des Lodora et des Dames Blanches, mais en montrant comment c'est leur entourage qui précipite leur mort à chaque fois. Je crois que je tiens le bon bout avec ça. 25 mars 2019